Qu'est-ce que vous avez appris dans ce cours? Principalement, plein de méthodes de travail, parce que initialement, on était envoyé pour nous améliorer. Pour vous dire franchement, toutes ces méthodes de travail nous ont aidé à changer notre façon de lire au travail, donc notre façon de faire aussi, et la façon de nous réagir aux gens donc au travail régulièrement, le personnel, etc. Donc, ce qui m'a vraiment touchée par rapport à ce leadership program, c'était cette partie emotional intelligence où on a dû, comme si, savoir le contrôler avant de prendre des décisions ou aller de l'avant avec le travail. Quoi. Donc, voilà, très simple. Vous avez servi des mots très intéressants pour moi, emotional intelligence. Depuis quelques années, j'entends ça. Est-ce que maintenant, ça rentre dans le management commence à comprendre l'importance de AI? Exactement. Ça rentre dans la façon de leading people. Parce qu'il faudra... on ne peut pas réagir maintenant. Il faudra savoir soi-même, comprendre nous-mêmes avant tout et pouvoir nous contrôler. Donc là, c'est à travers ce leadership programme on a pu toucher un peu ce topic. Donc... nous aide aujourd'hui. Dans quel domaine vous êtes amélioré? Vous saviez, c'est ma question, vous saviez, mais vous avez un petit plus maintenant. C'est plus la gestion des gens. Donc, je travaille avec des gens depuis 13 ans. C'est plus cet aspect de réactif. Il n'y a plus cet aspect de réactif maintenant. C'est plus un aspect de pouvoir réfléchir avant d'aller voir des gens, pouvoir réfléchir avant de prendre une décision, pouvoir réfléchir avant de gérer quelque chose. Est-ce que vous allez recommander ce cours-là à vos consoeurs ou d'autres personnes? Oui, bien sûr. Je dirais même à notre HR manager de pouvoir recruter d'autres personnes qui sont aptes pour ce leadership programme. Merci. Votre nom, c'est